Vous en avez marre de vous contraindre, vous en avez marre peut-être de faire des compromis dans votre vie, d'avoir le sentiment de n'avoir que des obligations. Eh ben, vous en avez marre aussi d'avoir des conflits, vous en avez marre de vous cacher, de ne pas pouvoir être vous-même, de ne pas pouvoir être authentique. Vous aimeriez pouvoir vous connecter à d'autres personnes de manière beaucoup plus profonde. Alors voilà, la CNV, la communication non violente, est un très bon outil pour ça. Mais il y a un problème. La communication non violente, eh ben, c'est pas facile à apprendre. Alors justement, moi aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une autre manière, une autre pédagogie pour pouvoir accéder à la communication non violente. Alors moi, ça fait, je pourrais pas dire combien de temps, mais là, ça fait pas non plus des mois et des mois, hein. Mais voilà, depuis peu, en tout cas, je m'investis beaucoup à vouloir mettre en pratique la communication non violente. Je connais la communication non violente depuis bien longtemps. Mais disons que c'est depuis peu que je m'investis vraiment et de manière beaucoup plus profonde à regarder des séminaires en ligne et ce genre de choses, voire même à pratiquer, à essayer de trouver plein d'occasions pour pratiquer, pour mettre en pratique vraiment les principes. Et je me suis rendu compte que ce qu'on apprend dans les bouquins, eh ben, c'est absolument pas pratique. Je vais vous donner une image. Si vous avez appris les langues à l'école, eh ben, My name is Brian, eh ben, en fait, ça marche pas. Vous allez arriver en Angleterre, on va pas vous comprendre. Bon, déjà, faut vous appeler Brian, hein, pour le coup. Si c'est pas le cas, ça va pas marcher. Mais l'autre problème, c'est que voilà, enfin, on va rien. Votre accent, on va pas le comprendre. Vous aurez appris toutes sortes de choses qui vont pas vous être utiles dans la rue, en fait, on va dire. Ça va pas vous être utile parce qu'en fait tout ce que vous aurez appris pendant vos cours d'anglais, c'est pas pratique quoi. Je vais prendre une image, mais c'est comme vous allez pas apprendre tout le dictionnaire pour apprendre une langue. Ça serait extrêmement long et à la fin, en fait, il n'y a qu'une minorité de mots qui sont vraiment utilisés. Hein, mots prendre, donner, aller, je sais pas, il y a des mots, voilà, on sait, des mots beaucoup plus fréquents déjà. Bref, donc j'aimerais vous donner des choses qui finalement me paraissent plus pratiques, plus utilisables rapidement. Voilà, tout simplement, plus utilisables rapidement. Alors déjà, premier point sur la pédagogie de la communication non violente. C'est que souvent, on donne. Alors, ouais, avant ça, quand même, un point important. Ce n'est pas important que si vous connaissez, ou que si vous connaissez ou non la communication non violente, puisque justement, moi, je vais expliquer, en tout cas, à ma manière, ce que moi, je perçois de plus essentiel. Après, vous pourrez approfondir si vous voulez plus loin. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, ce qu'on apprend en premier lieu dans la communication non violente, c'est quatre grandes étapes. Je ne vais pas les passer en revue si vous les connaissez déjà, surtout. Et ces quatre grandes étapes, ce qu'on dit pas, et que ça, alors il faut se taper pas mal d'heures de vidéos pour l'apprendre, c'est qu'en fait ça n'a jamais été fait. Hein, les étapes observation, sentiment, besoin et demande n'ont jamais été faites pour être utilisées telles quelles. Ça n'a pas été pensé par le fondateur lui-même, n'a jamais pensé ça pour que ça soit utilisé tel quel. Ces balises-là, elles sont utilisées, elles sont. Alors c'est voilà, c'est étrange. On vous apprend tout un truc, vous apprenez un bouquin entier, vous lisez un bouquin entier sur le truc, et finalement après de longues heures de pratique, vous apprenez qu'en fait ça n'a jamais été fait pour être utilisé en l'état. Alors ça sert à quoi? Eh bien ça sert à se déconditionner, ça sert à l'utiliser pour soi-même, ça sert pour sa propre tête, ça sert pour de l'entraînement. Mais moi, je ne vais pas vous proposer de la musculation en salle, je vais vous proposer des choses plus utilisables maintenant. Alors, on va commencer déjà par poser des fondements. La communication non violente, c'est comme je dis, c'est pas juste des étapes pratiques, voilà, faites de la communication en quatre étapes. C'est d'abord des fondements qui sont beaucoup plus importants que les choses concrètes qu'on peut vous dire, que les outils pratiques. Choses plus importantes comme
Le premier point, c'est l'humanisme. La communication non violente, c'est d'abord et avant tout une vision humaniste. C'est-à-dire qu'on considère que derrière l'expression tragique, derrière la violence qu'il peut y avoir, au fond, l'humain a des besoins qui, eux, ne sont pas, sont bons. Ils sont bons, ces besoins. En fait, au fond de l'humain, il y a des choses qui sont bonnes, qui sont positives. Et que c'est souvent dans la difficulté d'accéder positivement à ces besoins qu'on met en place des stratégies qui sont inefficaces et qui sont violentes. Mais au fond, il y a cette idée qu'au fond, on peut trouver des ententes. Et quand les gens font des choses, c'est, à la base, n'est pas pour faire du mal. On pourrait voir les cas particuliers, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'extrême majorité du temps, quand les gens font des choses, c'est pour remplir des besoins qui sont profonds et qui sont positifs. Et ça veut dire aussi, du coup, de rentrer dans une relation de responsabilité avec l'autre, c'est-à-dire où on responsabilise chacun et où on sort de l'idée d'exiger, d'être dans l'exigence. Donc ça signifie beaucoup d'accueil de l'autre et ça renverse totalement les perspectives. Le deuxième point de fondement, ça va être la pleine conscience. Alors, la pleine conscience, à la base, c'est... Alors c'est moi qui fais le lien, hein, mais j'imagine que je ne dois pas être le seul à le faire. Alors, moi j'ai pas mal étudié la pleine conscience, la méditation de pleine conscience. C'est tout un mouvement et qui... se rapproche énormément la communication non-violente. Dans la communication non-violente, on va prendre conscience de choses qui sont en soi. Il y a vraiment un travail introspectif. Et là, ce travail dans la pleine conscience, par exemple, on va faire de la méditation, on va se poser, et on peut faire, entre autres, essayer de ressentir ses émotions. Bon, et bien, c'est ce qu'on va faire en communication non-violente. On va essayer de prendre conscience, ok, là maintenant, c'est quoi mon état? Dans quel sentiment je suis? Qu'est-ce que je ressens? Donc on va se reconnecter. Deuxième principe de pleine conscience, il va être important, ça va être la diffusion qui va être très utile en communication non-violente, c'est dire déjà que nos pensées ne sont pas la réalité. On a des pensées, mais ce sont des pensées. Et en communication non-violente aussi, on va l'apprendre. On va apprendre à pas forcément se fier à nos pensées. Nos pensées restent des pensées. Donc ça c'est quelque chose que je dirais peut-être plusieurs fois, mais c'est prendre conscience aussi que ces pensées sont l'expression tragique de nos propres besoins. Si vous avez des pensées sur vous-même, ou si vous avez des pensées sur les autres, tous les jugements que vous pouvez faire sont souvent des expressions tragiques de besoins qui eux sont positifs, sont beaux. Et donc si on prend conscience que tout ce que vous allez faire, toutes les pensées que vous allez avoir sur le reste du monde ou sur vous-même, si vous prenez conscience que ces pensées ne sont pas à prendre en l'état mais à traduire, ça va énormément vous aider. Parce que vous ne serez pas dépendant de simplement... Déjà, même si c'est difficile, déjà savoir que profondément, derrière le propos, aussi violent soit-il, il y a quelque chose qui peut être traduit et compris en quelque chose de positif, au moins ça permet déjà de moins adhérer à la pensée. Et quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, enfin, sur la pleine conscience, bon, il va être long un peu ce podcast, j'ai l'impression, mais je pense que ça vaut le coup, donc je continue. Quelque chose que j'ai remarqué beaucoup en pleine conscience, c'est l'idée de prendre du temps pour soi chaque jour. Tout comme il y a des gens qui font de la méditation de pleine conscience, que moi, j'apparente finalement encore, tu vois, plus à de la musculation, on muscle son esprit pour pouvoir être conscient. Et j'ai l'impression que réussir, alors c'est pas forcément facile, hein, ça demande du travail, mais réussir à faire de la pleine conscience version communication non violente, c'est-à-dire essayer de traduire en soi ses pensées, prendre conscience de ses pensées, essayer de les traduire, essayer de comprendre ses sentiments, essayer de comprendre ses besoins, et de faire ça un peu chaque jour, au lieu de faire de la méditation, moi, alors c'est mon opinion personnelle, mais je pense que ça peut être très très riche, et je pense que c'est un peu... On va dire, la méditation de pleine conscience, ça me fait penser à faire de la musculation en salle. Et là, ça me paraît plus courir dans les bois, quoi. C'est-à-dire, vous allez mettre en pratique directement votre pleine conscience sur comment j'avance dans ma vie, comment je m'éclaircis les idées.
comment j'arrive à me mettre en empathie aussi avec les autres, parce que souvent on se coupe de l'empathie avec les autres. Ok, alors troisième fondement, il va y avoir l'écoute empathique. Ça c'est pareil, alors la communication non violente n'a pas inventé l'écoute empathique. Alors déjà il y a Carl Rogers, je crois, je crois que Marshall Rosenberg était le disciple de Carl Rogers. Donc ça vient pas de n'importe quoi, hein, la communication non violente. Ça vient déjà d'une approche humaniste qui a été initiée par Carl Rogers. Et donc, Carl Rogers pratiquait l'écoute empathique. Alors moi, je ne vais pas vous faire l'écoute empathique version Carl Rogers, mais je vais déjà vous donner ce que j'en sais et peut-être aussi comment je la pratique moi. Alors bon, déjà, un truc qui est bien connu sur l'écoute empathique, c'est de reformuler ce que dit l'autre. Mais en fait, alors moi, à la base, reformuler, ça m'emballait pas des masses parce que je voyais pas trop l'intérêt à la base de reformuler ce que disait l'autre. L'autre, il sait très bien ce qu'il a dit, quoi ça sert de reformuler. Mais en fait, on reformule pas juste pour redire ce que dit l'autre. On reformule pour essayer de lui éclaircir les idées. Et ça, en fait, c'est extrêmement puissant. Je me suis rendu compte que c'était extrêmement puissant de reformuler l'autre, parce que souvent, l'autre n'est pas clair dans ses propres idées. Il dit des choses, mais il dit des choses en se débattant avec ses idées, avec des idées violentes parfois, entre guillemets. Et toutes ces idées qui lui sont dans la tête, si on reformule, eh ben, ça l'aide à y voir plus clair. Et parfois, on peut résoudre des problèmes juste avec de l'écoute empathique. C'est-à-dire, d'ailleurs, il faut savoir que la communication non violente a été utilisée en thérapie. Voilà, ça peut être utilisé entre guillemets en thérapie. Et Carl Rogers, il était thérapeute, il me semble. Hein. Voilà, le premier truc, c'est reformuler. Le deuxième truc de l'écoute empathique, ça va être de se dire qu'il y a toujours une bonne raison qui fait que la personne fait ce qu'elle fait, pense ce qu'elle pense. Souvent, on caricature les gens, on se met à l'extérieur d'eux. Oh là, il fait ça parce qu'il est méchant, parce qu'il est ici, parce qu'il est là, parce qu'il veut profiter d'eux. En fait, quand on fait ça, on n'est pas en empathie. L'empathie, c'est pas dire que les gens sont gentils. L'empathie, c'est se dire, ok, mais si j'étais cette personne, j'aurais moi aussi de vraies bonnes raisons de faire ce que je fais et je trouverais ça positif de faire ce que je fais. Ou alors, en tout cas, il y a quelque chose d'humain derrière tout ça. Et donc, se dire que la personne a toujours une bonne raison de faire ce qu'elle fait, c'est hyper important. Et moi, quelque chose que je fais pour pratiquer l'écoute empathique, c'est d'utiliser l'intuition, tout simplement, et d'essayer de trouver une explication apaisante pour soi. À partir du moment, plus votre explication, enfin, je sais pas comment dire, plus votre explication va être teintée de jugement, plus ça va vous stresser, en fait. Donc, il faut essayer de trouver ce truc un peu intuitif, de dire, ok, je me mets vraiment à ta place, qu'est-ce que tu peux vouloir dire, au fond, de positif, qui peut être, voilà. Et je reviens vraiment à l'idée de cette phrase qui est souvent dite en communication non violente, que tout propos au violent au sens large, hein, pas forcément des insultes, hein, et l'expression tragique de besoins qui sont beaux. Et donc si on se met vraiment dans cet état d'esprit, on peut essayer de se dire que voilà, même si voilà, vous la connaissez pas encore la langue CNV, vous n'avez pas encore beaucoup pratiqué tout ça, on s'en fout. Ce qui va être important, c'est dire comment moi, je me mets vraiment en empathie avec la personne, j'essaye vraiment de la comprendre, j'essaye vraiment de penser qu'elle est de bonne foi, j'essaye vraiment de penser que ce qu'elle dit, c'est intéressant. Et même si c'est violent, ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Mon intuition, elle me dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Voilà. Alors, encore une observation sur l'écoute empathique. Alors là, plutôt dans le monde de la communication non violente que j'ai pu observer, c'est vraiment d'écouter au bout du bout. Vous avez un conflit avec quelqu'un, ou même pas qu'un conflit, vous voulez progresser avec quelqu'un. Vous, on parle des conflits, mais on oublie de parler du progrès. Pas moi, vous voulez vraiment passer du bon temps avec une personne, vous connecter avec cette personne, vous voulez vivre des expériences beaucoup plus intenses, et pas simplement régler des conflits. J'en parlerai après sur moi, mes deux visions de la CNV. Donc c'est vraiment écouter l'un après l'autre et d'abord écouter longtemps, ça c'est une très bonne pratique. Écouter longtemps, jusqu'au bout. Et même jusqu'au bout, on laisse un silence pour essayer de voir si la personne, il y a quelque chose qui lui vient. Et même quand il y a eu du silence, après on pose la question, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Et je pense que
En observant cette pratique, j'ai trouvé ça très riche en fait. Voilà. Et puis ensuite, bien entendu, on peut tourner, essayer de tourner. Alors là, on a vu les fondements. Il y avait pas mal de choses à voir sur les fondements qui vont qui vont vous servir à pratiquer, comme je disais, dans le monde réel. Et on va dire plus rapidement, plus intuitivement. Maintenant, on va passer au fait que le premier gros problème de la communication, c'est le problème de la communication elle-même et de la relation elle-même. C'est-à-dire, avant de régler le problème, à savoir si le tiroir il est cassé, qui doit s'en occuper, avant ça, il y a des problèmes beaucoup plus importants. Et un problème qui va être beaucoup plus important que ça, par exemple, c'est la disponibilité. On n'est pas toujours disponible. On ne peut pas toujours être disponible pour l'autre, quoi. Donc communiquer sur la communication, ça peut être déjà de faire savoir quand on est disponible ou quand on ne l'est pas. À des moments, on n'a pas la possibilité d'avoir et de donner de l'empathie. Juste comme ça. Là, maintenant, je suis fatigué, j'ai passé une mauvaise journée, je suis de mauvaise humeur, et là, je n'ai pas la place, j'ai aucune place. En anglais, ils disent souvent qu'ils sont full. Je suis plein, j'ai pas, y a rien qui peut rentrer en moi. Ton empathie, là, je ne pourrais pas être empathique, pas maintenant. Et donc, communiquer sur la communication, c'est déjà avoir conscience qu'on n'est pas disponible, et savoir remettre à d'autres moments, et savoir l'exprimer. Et donc, il va y avoir ce point qui va être hyper important. Ensuite, il va y avoir l'idée aussi, dans cette disponibilité, de la gérer. C'est-à-dire que comme on a des moments plus ou moins de disponibilité, il faut savoir la gérer, et donc on va la gérer en temps, remettre un peu tard, mais aussi en espace. Comment je prends un véritable espace? Comment on peut ralentir les choses pour dire, ok, on n'arrive pas à s'entendre, on s'assied, on se pose, et on essaye vraiment de faire ça bien, de s'écouter, et on fait l'effort de s'écouter, de vraiment mettre des conditions. Voilà, communiquer sur communiquer. Alors, je me perds un peu dans mes notes, j'en ai beaucoup. Les demandes. Oui, alors du coup, parmi les choses qui vont aider dans la communication non violente, ça va être les demandes à propos de la communication. Pouvoir dire est-ce qu'on peut remettre ça plus tard, c'est une demande. Pouvoir dire voilà. Pouvoir. Alors des fois, la personne en face de nous, elle n'est pas formée à la communication non violente. Alors quelque chose qui peut aider, c'est es-tu d'accord pour reformuler ce que je viens de dire? C'est-à-dire, c'est demander de l'empathie à l'autre. Essayer de demander à ce que l'autre fasse cet effort d'empathie. Plutôt que la personne. Parce que souvent, c'est ping-pong. C'est. Ah, il y en a un qui dit un truc, l'autre, il dit un truc, l'autre, il dit un truc. Chacun veut parler. Chacun n'a plus de place pour pouvoir recevoir de l'empathie. Et chacun veut parler, 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 parler. Et c'est un peu le principe de. On est toujours mieux servi par soi-même. Non, c'est pas ça la phrase. Mais c'est pas grave. En tout cas, demander vraiment de. On peut demander à l'autre de reformuler. On peut demander à l'autre de la compassion, de l'empathie. Il y a des choses qu'on peut demander. Hein. Une phrase qu'on entend souvent, comment tu te sens quand je dis tel truc? C'est toujours pareil, c'est essayer de communiquer sur la communication. C'est communiquer sur le fait que, ok, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Avant même de parler du tiroir ou du placard cassé, ou d'un truc qui n'a pas été payé, ou l'autre qui nous doit de l'argent. C'est vraiment parler de la communication, quoi. Et donc, c'est que parler de la communication, c'est ouais, essayer de soi-même prendre l'initiative de dire, ok, moi, je ne peux pas savoir exactement ce que tu penses et ce que tu ressens, mais alors du coup, je vais te le demander. Alors, une phrase que j'ai trouvée sympa et que j'ai entendue pas mal de fois depuis, mais c'est pareil, hein, il faut chercher, hein, c'est pas dans les bouquins que j'ai vu ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour te rendre la vie plus belle? Je trouve ça super en fait. C'est vraiment l'idée de, à un moment donné, on peut, avec des choses simples, aider la relation. Voilà. Alors, je continue, mais cette fois-ci sur les besoins. Alors, les besoins. Bah, pareil, il y a des besoins qui sont des besoins sur la relation ou sur la communication elle-même.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure des besoins sur le temps et l'espace. On peut avoir besoin de temps, on peut avoir besoin d'espace pour pouvoir, on peut avoir besoin de recul. Voilà. Donc, du coup, mais autre chose, on va peut-être avoir besoin aussi de soins. Parfois, on peut demander du soin, on peut avoir besoin de soins, même sans parler de demande déjà, on peut avoir besoin de soins, de réconfort, de compassion, d'attention. Ce sont des besoins qui sont plus importants que les autres, je trouve, parce que ce sont des besoins qui sont liés à ce qui est en train de se passer maintenant. Et encore une fois, ce n'est pas l'histoire du tiroir, c'est déjà l'histoire de dire. Et souvent, les plus gros conflits ou les plus belles, et inversement, les plus belles connexions qu'on peut avoir, elles vont déjà être dans ce qui est en train de se passer au niveau relationnel. Donc vraiment réconfort, compassion, attention. Il va y avoir souvent, souvent, souvent des besoins de reconnaissance. Donc être vu, considéré, savoir qu'on compte, savoir qu'on est compris. Un besoin qui revient souvent, c'est le besoin de clarté aussi. C'est-à-dire que, bien entendu, il y a souvent des problèmes de clarté. On n'est pas clair en soi ou on ne comprend pas ce que dit l'autre. Il y a besoin de clarté. Et enfin, dans ce type de besoin-là, la confiance. Besoin de confiance. La confiance, c'est primordial aussi, je trouve. Parce que. Bah, comment on peut rentrer en connexion avec une personne si on ne fait pas un premier pas, quoi, de confiance, de donner un peu de confiance. Je ne dis pas d'être bête et de faire n'importe quoi. L'idée, c'est pas d'être complètement naïf et se faire avoir par des gens qui seraient mal intentionnés. C'est pas forcément l'idée. Mais c'est déjà de se dire qu'en fait, la majorité des gens sont bien intentionnés, au fond. Pas dire que sur la surface, ils vont pas avoir des stratégies pourries. Mais parfois, on va s'apercevoir que les gens, si on leur donne un peu, ben en fait, ils ont envie de donner en retour. Parce que chacun, tout le monde a envie de contribuer, tout le monde a envie de donner aussi. Et ouais, la confiance, c'est un beau besoin, je pense. Et qu'il est intéressant de connaître. Alors, deux trucs encore que je voulais dire. Alors, je voulais parler des besoins sur les besoins. Alors, ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Il y a des besoins qui englobent d'autres besoins. Alors, un besoin dont j'ai pas mal entendu parler, c'est le besoin du deuil. Ben, des fois, il y a des besoins qu'on a. Donc, c'est le deuil sur un besoin. Par exemple, quelqu'un qui aurait besoin d'amitié, je sais pas si c'est un besoin strictement parlant, peu importe, besoin d'amitié, admettons, et là qu'on n'a pas, et faire le deuil, ça va pas dire faire le deuil définitivement dans toute sa vie, hein. Mais faire le deuil, c'est dire à ce moment-là, et eh ben là, parce qu'en fait, en communication non violente, on va toujours chercher à faire en sorte que tous les besoins soient pris en compte, et ça marche très très bien, quand en repartant de manière plus profonde dans les besoins, en allant chercher au fond du fond les besoins qui sont cachés, eh ben on arrive. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu. Je parlais des besoins sur les besoins. Donc en cherchant les besoins qui sont cachés. Ouais, bon bah je sais plus. C'est pas c'est. Ouais, bon, en tout cas, il y avait cette idée de besoin caché, c'est-à-dire, c'est pas facile d'accéder aux besoins. Et bon, bref. Donc, deuil sur les besoins, deuil sur le fait qu'on manque d'amitié, qu'on manque de si. À ce moment-là, ouais, c'est bien, c'est un travail d'acceptation. J'ai besoin de pouvoir accepter que ce truc-là, je vais pas pouvoir le remplir. Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est un truc typique de la CNV de prendre en compte tous les besoins. Et en fouillant, ben, souvent on arrive, en allant chercher les besoins abstraits, on arrive à résoudre et à satisfaire tout le monde en fait. Et ça c'est un point super important. Un autre besoin sur les besoins, c'est le besoin d'espoir que j'ai remarqué. Je veux avoir l'espoir que je vais avoir de l'amitié par exemple. Je veux avoir l'espoir que. Mais c'est un besoin en soi aussi, j'ai besoin d'espoir. C'est-à-dire que même si je n'ai pas de l'amitié maintenant, eh ben peut-être je peux avoir besoin d'espoir que ça pourra arriver.
et je peux vouloir être rassuré. Donc c'est pareil. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Après, j'avais entendu tout récemment inspiré, finalement, quelqu'un qui était inspiré par la joie d'un autre. Peut-être quelqu'un qui a du mal à trouver la joie en elle-même et qui du coup était inspiré par la joie d'un autre. Je trouve que c'est aussi un besoin sur les besoins. Comme j'ai dit, ben, long podcast aujourd'hui. Je voulais finir sur les deux CNV. À la base, dans le grand public, on va beaucoup parler de la CNV pratico-pratique, donc qui est au niveau pédagogique, qui reste plutôt effectivement classique. On fait les choses dans l'ordre, on apprend les étapes, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, la communication, c'est très concret, tout ça. Et puis, on amène vraiment à cette idée de la communication non violente, ça sert à résoudre les conflits. On change rien à sa vie, juste les trucs qui nous font chier, on les élimine de notre vie. Et moi, je voudrais parler de la deuxième communication non violente, celle que j'observe en ayant approfondi, et qui est une communication non violente qui admet un mode de vie, un changement, des changements plus importants dans sa vie. Alors, rien n'oblige de vouloir aller là, mais c'est dire, je veux pas faire de la communication non violente parce que je veux juste éliminer le conflit de ma vie, mais rien changer d'autre. C'est, je veux pratiquer la communication non violente, parce que ça va améliorer mon rapport à moi-même, parce que ça va améliorer mon rapport aux autres, mais aussi parce que ça va me permettre de vivre beaucoup plus intensément et de manière beaucoup plus vibrante chaque instant de ma vie. Moi, c'est ça que je vois dans la communication non violente. Sinon, ça me motiverait pas autant, en fait. C'est réussir vraiment à se dire, ok, comment je peux faire pour à la fois mieux me parler à moi-même, comment je peux faire pour sortir de la culpabilité, comment je peux faire pour... Voilà, c'est vraiment un outil ultra général en fait. Et donc on peut faire ce choix-là, de cette deuxième communication non violente. Pas juste un outil pratico-pratique, mais un outil qui va nous changer la vie. Et ça sera le mot de la fin, quoi. Dire, on peut essayer de pratiquer la communication non violente pour se changer la vie.